C'est à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc pour le grand d'Angleterre de Silverstone School, enfin en tout cas on est chez les British. Et du coup bah, on va continuer le championnat, alors on avait une mauvaise performance hein, de la course. On s'est un permis à... On va drastiquement sur... On va quand même lancer les qualifications en tout cas. Au niveau des réglages, on va rester avec des appuis, je vais être milieu cette fois-ci. Pas son freinage, on va laisser le coup. Et donc on est parti. Hop, sortie des stands, c'est parti. Alors il fait traverser le mur, c'est déjà une bonne chose. Allez, donc on va découvrir ce circuit de Silverstone, enfin redécouvrir Silverstone dans son ancienne version. Pour les mêmes virages mythiques. Voir si le jeu a bien reproduit le passé, et déjà je peux vous dire que c'est pas vraiment le cas, mais bon. Disons, ouais, les courbes sont vraiment pas du tout assez proches, c'est un mec de chapelle normalement ça tourne. Essayer de rattraper la mauvaise performance de la course. Se passer cette fois-ci. Apparemment, on aura du beau temps prévu pour la course. J'ai beaucoup ce passage avec moi qui est plusieurs. Pas la partie qui est tout court, mais. On va passer par la ligne droite, du coup les parages d'avant, et j'aimais bien cette descente sur le pont là. Là elle est quasiment. Enfin, elle est plus. Ouais, pareil, les tribunes à gauche, c'est pas du tout comme ça. Ils sont à Silverstone, mais bon. Je crois que c'est Bikeo qui est le sur ce circuit. En 2003, je sais pas. Je sais que c'était comme ça une fois Bikeo. Ok, tout va bien les gens. Oh. Voilà. Qui réagit. Alors. Cinquième temps. On peut prendre ce verre à la fond. C'est la bonne nouvelle. L'aspiration, on l'a mis derrière. My God, Speaker Chapel. Oh la vache, je veux dire, c'est comme dans tout le enquête. ouais, du coup, mon temps va être. C'est pas grave, tant pis. De toute façon, j'ai beaucoup en allant le plus. C'est pas possible. Ah, du coup, stand. Fin de session et découvrir cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, c'est Michael Schumacher qui partira en pole. Bye, Kelo. Ouais, on aura Juan Pablo Montoya, Ralf Schumacher, Kimi Räikkönen et Duda. Trolli 7, Cassello 8ème, très beau temps de Mika Solo sur le. Sun Mutton 9, 10ème, puis après ça on partira 11ème. Il y a 13, 14, il y a 15, il y a pas de 13. Jour de la ronde à 17, et comment ça 18. Et Sarah Frenzen, Arvain, Marcon, Alex. Marche. Pas une super qualif. Hein. C'est pas grave. Alors, tendre l'intermédiaire ou du coup, on va garder les pneus.
devez avoir pas mal de monde. J'ai beau avoir essayé de pas démarrer bien. Oh la vache! Ceux qui sont passés sur l'extérieur, sur l'intérieur, se sont fait avoir dès le début. Opilé, pas passé, on est dixième. Oh virage, et j'ai des coms qui sont pas non plus. Ah, tu vois. C'est moi qui ai fait un départ. Tiens. Oh, on mais... Attention. Ah ouais, go. Accélérer, ouais, parfait. Oh, comme il freine! Oh la vache! Pas ça! Ouais, là pareil. C'est sur l'extérieur. Ouais, ça passe! Accélération. Ça s'attaque, ils ont pas besoin de sortir au cœur. J'ai tout le monde à l'aspiration surtout. Oh, ça le voit de tous les côtés. Oh, papa, comme il a freiné de tard du film. Accélération, aspiration. Alors on va tenter l'intérieur, si on est déjà à l'intérieur au compteur. L'intérieur ça a l'air de mieux marcher, ouais. Si on n'a pas aspiration. Yes. Aïe aïe aïe. Ils font un mur. Il y a une équipe de fond de tableau de D1 quoi. Il a mis le bus devant les cages. Intéressant. Passer sur mon tour au freinage. Ouais, c'est bon. Oh la vache, il y a ce double croisement. Encore l'aspiration de. Oh, je suis en barre devant. J'ai pas pu prendre l'aspiration. Par contre, la McLaren va l'avoir. Il est repassé. Bien fait, bien, bien fait. Elle le connaît maintenant. J'ai cru, d'accord. Il n'y a rien à faire, hein, je ferai quand même dans cette version. Moi je trouve que la première portion. Alors le petit pif paf de la première portion, ça trouve pas. Mais. Non, mais pas la première portion, c'est pas quelque chose. Enfin, en tout cas, la première variante au tout début est sympa, mais pas fort. La grosse vitesse, par contre, j'aime pas la partie lente. C'est non. Reprendre. Je ouais, non. Allez, respiration.
l'extérieur. Il est là. Il est encore là, mais je suis mieux placé. Oh là, il a essayé de se décaler à l'intérieur. Ouais, c'est bon. À l'intérieur. J'étais mieux positionné. À nous deux, les pieux de Ferrari maintenant. Cette bataille entre eux, du coup, ils perdent du temps. Mais j'ai hésité en fait parce qu'il faut couper. Mais bah ouais, ils attaquent tout le temps. Interdit ça, monsieur. C'est vraiment ça. L'autre qui alterne les trajectoires devant toi pour essayer de dépasser, bah toi t'es derrière, tu sais pas ce qu'il va faire. Bah voilà. Mais c'est n'importe quoi. Là elle fait. Dès qu'elle est sous safety car, elle a déchoué ses gommes. Oh, ils ont repassé devant. Voilà, quand je vous dis je peux pas, je me suis encore fait surprendre. Passer. Oh, il rentre au stand. Ah, il rentre au stand. Alors, je sais pas qui c'est que j'ai touché. C'est Barrichello. Du coup il est tout seul, donc maintenant il n'y a plus d'aspiration entre eux. Un peu là, là. Ouais, regardez, j'ai vu. C'est... Oh, le dépassement latéral. Quel on est en tête.
c'est dommage que les aérostands n'aient pas pu marcher pour le coup. Ça arrête aussi. Ouais, ça arrête pas, ça arrête pas. Je le rose, c'est que là c'est le cap. Ça a arrangé la situation. Hein. C'est vrai, Silverstone, d'ailleurs, qu'on a vraiment vu les problèmes de Rose à émerger. Et d'ailleurs, bah, vous avez une chose, il me semble, avec aux deux pilotes de faire qu'un tour en fait. Qualification juste pour pas prendre la pénalité, c'est-à-dire pour vous, à la qualification et faire en sorte de ne pas être qualifié si tu veux. Je crois qu'ils n'ont pas été qualifiés les deux. Déjà c'était aussi pour économiser les pneus parce qu'ils avaient plus ils ne pouvaient plus financer le moteur force. Et du coup bah, utiliser des vieux moteurs. Là comment ça marche. Et en 2002, on sait très bien qu'on est loin encore des restrictions actuelles, hein, du moteur par année, etc. Les équipes avaient encore tendance aussi. Énorme de moteur par week-end pour l'année. Et là, un moteur, enfin en 2002, un moteur avec une durée de vie qui était encore plus longue que ce qu'à l'heure actuelle. Alors imaginez en plus Parobs qui ses moteurs sont 2 à 3 courses. C'est l'économie avant l'heure. Allez, on arrive dans le dernier tour. Enfin, on est déjà dans les tours, mais on arrive sur la ligne d'arrivée. Et on va remporter le Grand Prix en Bretagne. Ah. Bon, c'était pas la course. Et je pense que si Barrichello était resté, on aurait eu moins de problèmes. C'est vrai quand même qu'il récupère le point de la 6ème place, malheureusement. Enfin, j'ai malheureusement ce que j'aime bien quand c'est le récupère. D'ailleurs, je m'en trouve, il n'a pas cette position pour 4 centièmes de seconde, il échoue à la porte des coups. Et c'est lourd, on retrouve à la 13ème place, la Barrichello à la 15ème. Là, on équipe, on échoue. C'est un peu mal.
Au niveau du classement pilote, donc on prend de l'avance. Bon, on n'est pas encore avec les 10 points sur le question noir, mais on est à 8 points. Bah, avec Lou, par contre, pas de points. Ah, Schumacher 23 points, pas de 20, avec le Tart 15, avec Oden 9. Bon, c'est le point pour les autres. Classement constructeur 116 points pour Ferrari, 76 pour nous. Alors, on est qu'à la 10e course, donc c'est encore possible de se faire doubler par Williams. Mais je pense que là, ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Ça dépendra de nos performances. En tout cas, cette course, on a fait mieux que l'équipe. Et du coup, et là, on va se retrouver pour la prochaine course qui aura lieu normalement en France. Là, ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine course. Ciao tout le monde.